Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Eurocomics, o canal do YouTube que traz o melhor do universo dos quadrinhos europeus e companhia limitada para você. E hoje a gente vai falar sobre um quadrinho de aventura e aviação que foi criado pelo roteirista Jean-Michel Charlier, de Blueberry, e pelo desenhista Uderzo, de Asterix. Suas histórias têm o comandante Michel Tanguy e o tenente Ernest Laverdure, os dois melhores pilotos da Força Aérea Francesa e amigos para todas as horas, como personagens principais. Os dois vivem grandes aventuras recheadas de ação, perseguições, cenas aéreas de tirar o fôlego, muita espionagem e por aí vai. E por conta do galanteador Laverdure, que é um sujeito não tão sério quanto Tanguy, chegando até mesmo a ser atrapalhado, esta HQ tem um certo humor. Tanguy e Laverdure começaram a ser publicados em 1959 na revista francesa Pilote. Em seguida, a partir de 1961, estrearam em álbum. E tá aqui a minha coleção de Tanguy e Laverdure, que eu não consegui completar até hoje, e que tem álbuns em português, da editorial Ibis, da Meribérica e outros em francês, incluindo volumes integrais. E o detalhe é que a coleção nunca saiu aqui no Brasil. Pois é, e é com muito orgulho que eu passo a falar com o Patrice Buendiat, que adaptou a partir de um romance de Jean-Michel Charlier, O Avião que Matava Seus Pilotos. Está aqui a primeira parte, a segunda parte é Ameaça sobre o Mirage F1. Neste ano, saiu dele em parceria com Durand et Cunin, Tiros de Fogo nos Alpes. E ele também fez aqui os Diamantes de Areia e o Sabre do Deserto em parceria com Zambiel e Philippe. Bonjour Patrice Buendiat, c'est un plaisir de vous parler depuis le Brésil. Bonjour PH, très heureux de faire cette interview pour ton site brésilien qui s'intéresse à la bande dessinée franco-belge, ce qui est assez inespéré. Dans Menace sur Mirage F1 et l'avion que tu es ses pilotes, nous sommes présentés à une fiancée de la verdure, tandis que dans Coup de Feu dans les Alpes, il y a le rôle très important d'une méchante, mis à part la présence de deux autres héroïnes, mère et fille, dans Les Diamants de la Sable et Les Sabres du Désert. Comment voyez-vous la participation croissante de personnages féminins dans la bande dessinée? Alors, pour ce qui est de la place des femmes, à la fois dans la série mère, Diamant de Sable, et puis à la fois dans le classique, c'est-à-dire dans le premier cycle, avec L'Avion qui tuait ses pilotes, et dans le début du deuxième cycle, avec Coup de Feu dans les Alpes, c'est vrai que les femmes ont une importance qu'elles n'avaient peut-être pas forcément dans le reste de la série. Même si elles étaient toujours présentes, mais alors parfois c'était un petit peu les femmes fatales, vénéneuses, les espionnes qui essayaient de piéger Tanguy ou Laverdure. Non pas que Charlier ait pu être misogyne, plein de ses autres bandes dessinées montrent bien que ce n'est pas le cas, mais c'est surtout que à l'époque l'aéronautique était quand même un milieu très masculin et dans lequel il était difficile de faire entrer des éléments féminins sans que ça paraisse un peu forcé. Donc je pense que Jean-Michel Charlier, avec le talent qu'il avait, savait très bien qu'il fallait pas forcer le truc et pas rajouter des femmes, alors que à côté de ça, par exemple dans Blueberry, t'as des personnages de femmes très fortes qui sont très présents, et on voit bien que là il avait pas de mal à les inclure. Sur Tanguy et les Verdures, c'était moins évident. Certains des autres scénaristes ont aussi eu du mal, je pense, à les intégrer pour les mêmes raisons. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est inévitable, quoi. On peut pas, aujourd'hui, parler du monde d'aujourd'hui en racontant que des histoires de mecs. Donc, c'est pour ça que dans le premier cycle de la série mère qui se passe au royaume de Daman, je voulais que les femmes soient présentes. Aussi, il faut bien le dire, pour donner une image de la femme moyenne orientale un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir aux actualités, où on les montre souvent victimes, avec une religion très présente, un pouvoir politique très présent, etc. Et là, je voulais montrer la réalité aussi de la femme moyenne orientale. Si tant est qu'on se renseigne un peu, on sait qu'il y a aussi des femmes là-bas qui sont libres, qui sont actives, qui sont importantes politiquement. Mais je voulais montrer ces personnages-là de façon positive. Et donc c'est pour ça qu'il y a à la fois une jeune femme qui se destine à devenir directrice d'un grand hôtel et qui est une vraie battante issue d'une tribu, une tribu justement le pouvoir est matriarcal, et qui du coup est
vraiment indispensable à Tanguy et la Verdure, et puis aussi une jeune pilote très mal acquise dans son escadrille, pas seulement parce qu'on est au Moyen-Orient, hein, l'intégration des femmes dans l'escadrille n'est pas toujours simple non plus, et qui du coup se révèle être une grande pilote. Et aujourd'hui, voilà, ça me paraît inévitable d'inclure des femmes dans nos histoires, et même nos histoires de pilotes, puisqu'il y a eu plein de femmes pilotes. Il y a eu quand même des femmes pilotes leaders de la patrouille de France, faut pas l'oublier. Donc ça montre que c'est la crème de la crème de la crème. Hein. C'est pas des postes honorifiques qu'on leur a donnés. Elles sont là parce qu'elles le méritent, parce qu'elles sont vraiment brillantes. Et pour ce qui est du personnage dans la série classique, bah, elle était déjà dans le roman, en fait. J'ai essayé là aussi d'être aussi fidèle que possible à ce qu'avait écrit Jean-Michel Charlier. Elle disparaissait par contre au milieu du roman, ce qui gênait pas dans la lecture, ce qui à mon avis en bande dessinée aurait été un peu plus compliqué, parce qu'elle avait une existence visuelle forte. Donc là par contre je lui ai inventé une fin pour qu'elle ait un, on va dire, un arc narratif complet et satisfaisant. Après, pour ce qui est de Johanna, ben, comme on est dans une histoire d'espionnage érotique des années 60, évidemment que les personnages féminins, que ce soit dans les James Bond, dans les OSS 117, et les femmes étaient très présentes et même indispensables. Tu peux pas imaginer James Bond sans sa James Bond girl, enfin c'est James Bond girl, mais il y en a toujours une qui est vraiment très importante dans le récit, et pour OSS 117 c'est la même chose. Donc là, par rapport au genre qu'on abordait, ça me paraissait un peu inévitable d'avoir un personnage féminin fort. Est-ce que ce sera le cas dans toutes les histoires? Je sais pas, en fait. Ça dépendra un petit peu de l'univers qu'on va traiter. Pour moi, il me semblait évidemment totalement naturel que nos personnages masculins interagissent avec des personnages féminins. Donc ça me paraît évident, en fait. Voilà, ça devrait même pas être une question. Vous avez récemment visité la base aérienne d'Istres. Comment s'est déroulé ces contacts directs avec les militaires et les pilotes? Alors oui, le fait de travailler sur des séries aéronautiques, ça m'a permis, de façon totalement inattendue, bah, d'aller visiter des bases. C'est-à-dire que là, vraiment, je pensais pas arriver à ça. Tu vois, en écrivant mes premiers BD il y a 15 ans, j'espérais éventuellement être invité sur quelques festivals. Mais par contre, aller sur la base de Saint-Dizier ou d'Istres, c'était assez inattendu, mais en même temps nécessaire, parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont pointus, qui sont précis, et qui sont appréciés par ce qu'on appelle des fanas, c'est-à-dire vraiment des connaisseurs très pointus. Donc il faut que nous aussi, on ait cette précision dans ce qu'on raconte. Donc, aller sur les bases, c'est, entre guillemets, presque indispensable. Bon, ça c'est l'avantage de travailler chez Zephyr, qui était donc un éditeur qui aujourd'hui est un label, puisqu'on a été racheté par Dupuis, et son créateur, c'est Alexandre Paringot, qui est photographe aéronautique, et qui connaît très bien le monde de l'armée. Donc il a pu parfois nous donner des accès, évidemment, assez inédits, quoi, pour des auteurs de bande dessinée. Donc on a pu effectivement aller sur ces bases. J'ai même pu faire un vol en avion de chasse. Alors bon, malheureusement, c'était pas un Français, c'était pas un Mirage ou un Rafale, c'était un Albatros, mais c'était déjà très utile, et c'est pour ça que notre éditeur voulait que je le fasse. C'était très utile pour ressentir les sensations qu'on a dans un avion de chasse, en fait. Raconter des histoires de pilotes en ayant simplement lu ou vu des histoires de pilotes, c'est pas tout à fait la même chose que quand t'as été véritablement dans un avion puissant, et que le gars simplement t'a fait un virage, par exemple, un peu serré. Parce que évidemment, comme moi j'étais totalement novice, j'ai eu la chance de tomber sur un pilote qui m'a pas maltraité. Et du coup, simple fait de ressentir les jets que tu prends en faisant un virage serré, ça va t'aider à écrire tes histoires de façon un petit peu plus convaincante aussi, et d'ajouter du coup des détails comme ça. Ça nous permet aussi de connaître les process. Par exemple, dans notre prochain album de la série mère, nos personnages vont être en permanence opérationnelle, qui est, pour être tout à fait honnête, un dispositif que je connaissais pas précisément. J'avais déjà entendu parler de l'APO, mais pour moi l'APO c'était grosso modo des gars qui étaient sur la base et prêts à partir en cas d'alerte. En fait non, c'est un dispositif très particulier, et l'avantage d'aller à Saint-Dizier, c'est qu'on a pu nous expliquer comment ça fonctionnait, quels étaient les locaux, quel était tout le process, mais ça nous a permis vraiment de raconter ça de façon totalement crédible. Et pour le coup, moi aussi, j'ai appris des choses qui sont super intéressantes, quoi. Donc ça, c'est vraiment précieux pour nous, scénaristes ou dessinateurs, d'avoir accès, comme ça, à une base de données qui est la vraie vie, quoi.
Il avait envie que ses pilotes, dans leur vrai cadre, et puis aller sur les bases, ça a un autre avantage, c'est de rencontrer les pilotes. Et puis ce qui était sympathique aussi c'est, pour nous, c'était de découvrir que quasiment tous, enfin même 100% de ceux que j'ai rencontrés, sont arrivés à cette carrière de pilote de chasse bah, parce qu'ils ont lu des bandes dessinées ou vu des films. Donc évidemment, quand tu leur dis que tu viens pour te documenter pour un Tanguy la Verdure ou pour un Bug Dany, bah, ils sont super ouverts et d'une certaine manière presque un peu flattés de pouvoir t'aider à construire cette mythologie-là, quoi. Donc c'est pour ça que ça a toujours été vraiment de très belles expériences. En plus, évidemment, moi, c'est des lieux que je ne connaissais absolument pas, parce que même si j'avais l'âge à l'époque de faire le service militaire, j'étais asthmatique, donc j'avais même pas fait le service militaire, donc j'étais jamais rentré dans une base. Et puis du coup, t'as accès à des engins, des dispositifs, on a pu faire du simulateur aussi, qui sont évidemment normalement pas accessibles aux civils. Donc on a une vraie chance, et en plus on crée de vrais échanges. Donc voilà, visiter les bases, ça a toujours été des expériences vraiment, vraiment passionnantes. Outre les bandes dessinées de Tanguy la Verdure, signées Charlier et Uderzo, est-ce que vous avez d'autres inspirations pour développer les aventures classiques du duo, telles que Bug Dany, une série créée à l'origine par Jean-Michel Charlier en collaboration avec le dessinateur Victor Hubinon, ou la série télévisée Les Chevaliers du Ciel, diffusée entre 1967 et 1970 avec Jacques Santi et Christian Marin? Alors oui, comme je te le disais tout à l'heure, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Alors, déjà, c'est tout le canon Charlier, au sens large, c'est-à-dire tous les Tanguy et la Verdure, et tous les Bug Dany, évidemment. Mais ça va aussi sur, bah, sur l'audiovisuel. Comme je te le disais tout à l'heure, moi j'étais un gros gros fan, enfant de la série Les Chevaliers du Ciel, que j'ai revu avec plaisir d'ailleurs. Alors je parle de la première série. Quand la deuxième série est passée, c'est vrai que j'étais un peu passé à côté avec Christian Vadim, je crois, dans le rôle de Tanguy. En revoyant après des épisodes, je me rends compte que le mode de filmage a vachement vieilli. Alors, celle des années 60 aussi, mais sauf que je trouve le charme des années 60. Et puis en plus, t'as toutes ces petites apparitions de comédiens qui allaient devenir célèbres, comme Victor Lannou ou Marlène Lebert, qui sont super marrants. Et puis, il y a cette chose incroyable qui sont les deux acteurs, quoi. Santi et puis Christian Marin, qui sont, je crois, la forme la plus unique de ressemblance entre des acteurs filmés et des personnages dessinés. Au point que moi, enfant, j'étais persuadé qu'on les avait, en fait, que les bandes dessinées avaient été dessinées d'après les acteurs. Puis en fait, j'ai appris plus tard que c'était pas le cas, mais c'est étonnant, quoi. J'ai pas d'autre exemple d'une ressemblance pareille. Donc voilà, j'étais très très fan. Et puis il y a aussi tout un tas d'autres films aéronautiques qui nourrissent tous les auteurs qui travaillent sur ce sujet-là. Bon, Top Gun, c'est inévitable, tout le monde en parle. Après, moi, pour être tout à fait honnête, j'avais pas aimé le film quand je l'avais vu ado. Je l'avais vu au ciné. Alors, j'avais pas aimé l'histoire que ça racontait, parce que je la trouvais pas si passionnante que ça. Puis alors, le côté macho bourrin américain, c'était pas mon truc. Mais par contre, j'avais adoré les séquences d'aviation, quoi. C'est vrai que, tout simplement parce qu'on n'avait jamais vu ça. Il y avait déjà eu des belles séquences d'aviation, comme Jet Pilot, ou des films comme ça, mais filmés comme ça, jamais. Donc c'est vrai que, rien que pour ça, j'avais pas regretté de le voir sur mon écran, et malgré ça, je l'ai eu en DVD en Blu-ray, parce que je tenais à voir juste les séquences aéro, quoi. Et puis après, il y a d'autres films qui ont pu aborder le sujet. Un film dont c'est pas le sujet, puisque le sujet, c'est la conquête spatiale, mais dans lequel, quand même, les pilotes ont une grande importance, c'est L'Étoffe des Héros, par exemple, bien sûr. Donc voilà, on se nourrit de tout. Sur Coup de feu dans les Alpes, bien sûr, je me suis nourri des fictions, d'espionnage des années 60, à la fois au roman, puisque j'ai lu presque tous les Ian Fleming, les James Bond de Ian Fleming, mais aussi les films de James Bond, les films de OSS 117, les séries de l'époque, comme des agents très spéciaux, mais aussi d'ailleurs pour la série mère, pour Diamant de Sable et Le Sabre du Désert, évidemment que des films comme Body of Lies de Ridley Scott, ou le Royaume de Peter Berg, ou même dans une certaine mesure les Jason Bourne, on nourrit notre récit, quoi, inévitablement. Mais de toute façon, enfin, je connais pas de scénariste honnête qui dira qu'il n'est pas inspiré parce qu'il a lu ou vu, quoi. C'est inévitable.